importante et je tiens d'abord à vous remercier pour avoir répondu présent à notre appel. Donc nous sommes très touchés et la journée d'aujourd'hui va vraiment être très utile pour simplifier la vie des personnes à mobilité réduite de Strasbourg et toutes celles qui voudront se rendre à Strasbourg. Moi, c'est Julie d'Unicité et puis je suis volontaire pendant 9 mois. Alors moi, je m'appelle Alice et je suis au pionnier chez Digaïm. C'est les scouts. Moi, c'est Majdoline. Je suis aussi scout, c'est pareil qu'Alice. Je suis là pour aider et je suis volontaire. Donc, Souria du service civil, volontaire pendant 9 mois. Donc en fait, moi, je veux agir pour la communication et l'intégration de toutes les personnes au sein de la société. Un très bon accueil, la personne joue le jeu et essaye de trouver des possibilités, en l'occurrence là pour les toilettes impossibles chez eux étant donné la vieillesse du bâtiment. Donc ils ont trouvé la solution, ils ont un partenariat de WC avec le restaurant d'à côté qu'on va aller visiter. Voilà. Vous avez un partenariat avec le crocodile au niveau sanitaire. Exactement. Sanitaire, c'est mieux le mot. Donc là, vous essayez de nous prendre au mot, mais on confirme si vous en dit il y a 2 minutes. Ouais, non, pas du tout. C'était, en fait, c'est vraiment pour faire les deux. C'est régulier, c'est vraiment ça. Voilà. D'accord. Ça va très bien. Voilà. Et ben, on a toutes les questions. Et on espère vous voir bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Un numéro de téléphone pour 520303. Super. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Voilà, l'accueil. Expéditif. Bon, vous êtes très bien accessible là. Oui. Là, vous avez un bonjour. Sur 10 là déjà, alors c'est la porte qui compte, si c'est de plein pied ou pas. Les produits sont-ils accessibles au moins à la vue? Voilà. Terrible. Ah oui, carrément. Là on est vraiment bien accueillis. Hein. Mais un aussi, 12 sur l'accueil. Vous pensez quoi de ce type d'initiative? Écoutez, je trouve ça très bien. J'en avais entendu parler à Paris. Je ne sais pas si c'est la même, initiative. Et ouais, c'est bien parce que très souvent, les gens, enfin, nous, on le voit aussi, les mamans avec les poussettes. Hein. Je veux dire, c'est quelque part un petit peu pareil. Et je pense que oui, pour les gens qui peuvent pas et qui ont du mal à se déplacer, c'est bien quand même d'avoir des adresses. Aussi le restaurant et tout ça pour sortir. Enfin, oui, parce que c'est sûr que ça doit être le parcours du combattant. Donc c'est plutôt très bien que vous vous en occupiez. Voilà. Bon, ben on avance. Alors, vas-y. Clément. Ça va être la photo de fin. Voilà. Table. Ah oui, ça c'est le. Description du lieu. Donc. Grand et aéré. Ouais. Et table adaptée au fauteuil. 67 000. Je m'ai trouvé l'adresse exacte? Non. Non. 67 000. Gros espace. Événement se déroulant dans ce lieu. Voilà, on va pouvoir parler des saucisses. Eh bien, le bilan est encore une fois très positif. On a recensé donc plus de 257 adresses. On est très content, un petit peu fatigué, mais surtout très content. Et c'est ça qui compte. Voilà, on a eu plein de volontaires. Il y a eu à peu près 100 de personnes. Je pense que tout s'est bien passé. Il y a eu plein d'équipes, ils se sont mélangés, des personnes en fauteuil avec des personnes valides. Il y a eu plein d'adresses de partager et des volontaires toujours motivés. Ce qui est appréciable, c'est qu'ils vont continuer cette opération, ce combat, ce mouvement. Et ils vont aller recenser encore d'autres lieux accessibles, même si l'opération est terminée, ils vont rester dans la vibe. Et rendez-vous est pris pour l'année prochaine aussi.
À Strasbourg. À Strasbourg ou dans la région alsacienne. D'accord. Ou à Mulhouse. Colmar, Mulhouse. D'accord.